disais aussi, je me dis mais mince, je suis toute seule, il n'y a personne dans le chat. Hop. C'est un peu fort, je trouve, voilà. Tout petit peu. Coucou Alexis, coucou Shani Sunny, coucou Nathan, salut Tsari. Donc ça sera pas un long live, je vous préviens, je suis assez fatiguée. Jeudi, t'es toute molle aujourd'hui. Oui, je suis très molle aujourd'hui. La musique est beaucoup plus énergique que moi. La musique va fort aussi, je trouve. Voilà, parce que la musique va fort dans mes oreilles. Mais oui, mais j'ai envie de passer du temps avec vous aussi, en fait. Je rentre du boulot, en fait. Je vais parler un petit peu avec vous, hein. De toute façon, il y aura une rediff à ce live dimanche. En même temps, je donne des nouvelles. Coucou, je t'ai là. Ah. Notification YouTube. Donc, que je vous explique. Je suis un peu fatiguée ces jours-ci. Mais j'ai quand même envie de... Enfin, voilà, quoi. De passer du temps avec vous. Mais ça, de toute façon, ça n'allait pas, je vous le dirais. Voilà, vous le sauriez. Je ne ferai pas de live. Si jamais ça n'allait pas, donc... C'est juste que, ben, là, je suis sur la fin de ma grossesse et ça commence à être... lourd, bébé commence à être lourd et je contracte un petit peu en fait. Voilà, comme ça vous sauvez tout. Je contracte un petit peu quand je reste trop longtemps debout. Par exemple, à mon boulot, ça peut être un peu compliqué. En sachant que je commence mon congé maternité le 1er décembre, donc voilà, il faut que je tienne encore au moins 3 semaines et demie. Et maintenant, je vous rassure, il y a une sage-femme qui est passée, donc un médecin qui est passé, enfin, entre guillemets, un médecin qui est passé à la maison. Et ça va, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là maintenant, je suis très bien surveillée. Tous les 15 jours, je vais chercher chez la gynée aussi pour un peu vérifier que bébé va bien et que moi aussi, je vais bien. Donc voilà, pas d'inquiétude, pas de problème. Je suis surveillée. Et c'est juste qu'en gros, pour ceux qui peuvent se dire « Mais Jody, repose-toi », enfin voilà, Indara fait tout à la maison maintenant. Enfin, il est un peu obligé maintenant, du coup, parce que voilà... Si je reste trop longtemps debout pour streamer, ça va, je suis assise, donc il n'y a pas de problème. Et oui, ah, toutes les notifications de trucs de YouTube. Donc voilà, je suis un petit peu HS, mais... Enfin, HS, non. Enfin, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va, quoi. Puis je suis entourée. J'ai mon papa aussi qui m'a proposé son aide, donc... voilà, c'est pas comme si j'avais personne qui allait m'aider, donc voilà, mais oui, je suis assez molle, je vous avoue, je suis assez molle, je suis très molle en fait, donc on te chouchoute, oui, voilà, et sérieux, on me chouchoute, comme tu dis, on me chouchoute. Ah, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans Dreams Doll aujourd'hui, les amis? Je me dis peut-être voir s'il n'y avait pas un de mes petits modos, ah, les modos, je vous préviens déjà. Kiné ou Nathan, il y a quelqu'un dans le salon d'attente sur le Discord. Voilà, je vous lis déjà. Donc, c'est-à-dire ceux qui veulent l'un du Discord, ceux qui ont la rediff, vous avez en dessous, hein, et en dessous aussi, en dessous du live. Coucou Super Wolf. Ah non, il n'y a personne avec moi. Bon, je vais quand même me démuter. Hop, voilà, comme ça je suis démutée sur mon Discord. Au moins le mixeur de volume, faut que je monte un petit peu le son de Discord. Hop, voilà. Coucou Shaizuko! Bah oui, mais bon, vous me venez quand vous voulez. Hein. Coucou Kitsu! Donc, j'avoue que j'ai une sale mine. Hein. J'avoue que j'ai une sale mine. Hein. J'avoue que je vois qu'ils vont voir mes yeux là. Parce qu'en plus, je dors pas super bien. Donc, enfin, voilà. Les aléas de la grossesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Dreams Doll? Donc en fait, j'ai remarqué que, bah, je sais pas si vous voyez, il y a la fête. Attendez, je sais plus non que ça, je vais aller... Hop, je vais mettre le live. Par contre, vous avez tout le truc de Minecraft, donc je vais juste mettre l'écran des Sims 4. Hop. Voilà. Et donc, ah bah on dit pas bonjour, coucou Angel, mais j'ai pas vu que t'étais là Angel, t'es arrivé pile durant mon changement de truc, donc du coup je ne peux pas avoir, j'ai pas fait attention. Désolée. Donc,
J'ai remarqué, non, c'est pas la calée, Sweety, que je fais n'importe quoi, je fais de la merde, moi. Où est-ce que je l'ai encore rangée, Sweety? Elle est là. Fiquée. Vous voyez que je suis un petit peu fatiguée, hein, mais ça va. Ah mince, c'est de la maison d'Amityville. Coucou Nathan. Ouais, je le redis, Nathan, je sais pas si t'as vu sur le Discord, il y a Clochette. Je sais pas qui est Clochette, mais voilà, c'est un... Je crois que c'est un abonné. Merci de Marajou. Qu'elle a écrit dans le présent toi, ok. Donc, je sais pas si vous... Oui, j'ai envoyé un message, ok. Donc, merci Nathan. Donc, il y avait une fête en fait, qui devait avoir lieu dans les Sims, et je me dis, ben, je vais la faire avec vous. Un petit événement un peu... Par contre, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de dimanche où je montrais la maison. Il y a un vampire qui est mort dans la maison. Enfin, pas dans la maison, mais devant la maison. Il s'est fait cramer, le pauvre. Vous avez encore cette tombe là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais essayer de penser à la mettre dans le petit. Coucou des Tumscaris, salut Dragounette. Et bah, c'était assez drôle en fait, puisque c'était pas prévu qu'il y ait un vampire là qui meurt. Mais il est un petit peu con aussi, il se met là au soleil et il bougeait pas. Enfin voilà. Il faut que je me mette droite. Ça va Dragounette, ça va, ça va, ça va. Bon, donc on va regarder un peu la fête que c'est, avec notre petite Sweety, voir un petit peu la fête que c'est. Je crois que c'est la fête qui a lieu, comment ça s'appelle encore, Thanksgiving, vous voyez, Thanksgiving. Aussi, il faut que je vous montre pendant que ça charge. Et là, j'ai commencé à faire mon nouveau bullet journal pour l'année prochaine. J'ai commencé à faire des choses dedans. Je vais vous montrer certaines pages, tant que ça charge. Mm-hmm, très intéressant. Coucou. Coucou. Bon, là, je vais pas vous montrer parce que, voilà, je vous montre juste le dessus. Voilà, comme ça. J'ai fait ça comme page de garde. Là, je cachais juste mes informations, là. Et alors, ici... Voilà. Je me suis améliorée, mais vachement un truc de ouf, hein. Avec mes petites clés, les saisons. J'aime bien les effets d'ombre. Ah bah écoute, je te remercie. Je regarde, c'est d'autres choses que je peux vous montrer. Si je peux dire un tout petit truc, c'est pour l'effet d'ombre au-dessus était un peu inutile, parce que comme tu as projeté les ombres en dessous, c'est comme si la lumière tapait au-dessus. Tu vois? Ah oui, mais bon, c'est juste, moi je pars du principe que c'est le Halo 2009 qui radie en fait, qui... Enfin, je me comprends. Oui, mais c'est juste pour dire quoi. Et puis juste... le but c'est que ça soit juste, c'est pas que ce soit logique. Hein, oui, non, non. Chose, donc, C'est l'artiste qui est en moi qui parle. Oh ça, ça va, ça va. Hop, voilà mon calendex. Ici, je le trouve vachement propre. Attendez, hop, voilà. Je le trouve super propre. Voilà. Et vous les voyez avant tout, parce qu'en fait, ce cas, c'est que j'ai même pas encore posté sur Insta. Voilà ma page anniversaire et ma page idée cadeau. C'est boupi tout ça. Oui, c'est tout choupi. J'adore le petit cupcake. Le petit cupcake, c'est un cupcake que j'ai trouvé sur Google. Voilà, là, vous saurez tout. Bon, les adresses, là, je peux vous montrer parce que là, il y a des adresses privées, voilà. Donc, mais sinon, voilà, j'ai commencé, j'ai fait une photo que je mettrai sur l'adresse, donc vous verrez ça prochainement sur Insta. Je l'ai fait à l'avance parce que comme j'accouche au mois de décembre, j'aurais peut-être pas forcément le temps de le faire. Petite question, je mets mon Sims dans... Je mets mon Sims dans le hashtag, que moi je dis, mon Sims s'affiche pas. Faut voir si t'as mis des CC ou pas, vraiment, faut que tu coches ou pas. Merci pour vos compliments. T'as mis des CC, parce que juste ça en fait, faut voir, parce que j'avais demandé 100 CC. Hein. Voilà, je vous rappelle que j'avais précisé ça. Donc, hop, donc je vais vous montrer. Oh, suit-il en dépression là. Effie.
Donc voilà, en fait, il y a cette fête-là, donc... C'est la fête des récoltes, donc décorer la maison, gnome de fête, grand repas et gratitude. Donc je pense qu'on va juste un petit peu arranger la maison pour... Parce que là on a une toute petite table et quand je vois grand repas, je me dis allez je vais inviter Jake, on va inviter les copines et tout. Par contre, hop, on va dégager, ça va mettre une meilleure table vu qu'on a quand même plein de fric, vu qu'on a gagné au loto. Enfin, la loterie. C'est trop bien d'ailleurs. Je suis contente. On est pleine de thunes. Dis-moi. Je voulais dire, quand tantôt tu as parlé de la maison d'Amityville, j'avais compris. Ah, Sweetie a déménagé dans la maison d'Amityville. Mais pendant un moment, j'y ai pensé. Hein. Je t'avoue, j'y ai pensé. Et donc la refaire, mais pour qu'elle soit vraiment habitable et coquette et tout. Hein, mais j'y ai pensé pendant un moment. Dans ma tête, c'est venu cette phrase. Chouette, je vis dans une maison hantée potentiellement qui va me condamner à mort. Hey. T'es bête. Bah attends, t'as pas entendu tout ce qu'on parle de cette maison justement? Bah oui. Coucou Marichka. Et merci à Choco pour le follow. Bienvenue à toi Choco. Hanté, ce truc, le seul truc dans ce Sims qui me dérange un peu, qui me rend même triste par rapport au Sims 2, c'est que t'as plus les grandes tables à 6 là, tu vois, les grosses tables. Si. Ah, ça fait des mois que je joue au jeu et j'ai pas les tables doubles où tu peux mettre deux chaises de chaque côté là. Si, là je suis en train d'en placer une. Non, ouais. Mais avoir deux chaises, tu vois, c'est les chaises 2 sur 6, 2 sur 3. Ah oui, ça oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, on les avait dans les Sims permis de sortir. C'est bien possible, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Sur PlayStation, moi je jouais. Mais on avait ces tables là, je les adorais ces tables là parce qu'elles étaient très grandes. Alors quand t'avais des invités, tu pouvais les mettre partout. Tu pouvais les mettre, Est-ce qu'on met des chaises électriques ou autre chose? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai ces chaises-ci qui sont très jolies. Ah, des chaises électriques, ce serait classe quand même. Oui, non, peut-être pas. Mais le problème, c'est que s'il y a un court-circuit, tu tues tout le monde. C'est ça, quoi. Bah voilà, c'est pas mal du tout, ça. C'est vrai que j'oublie tout le temps que dans les Sims, on peut mettre les chaises comme on veut. Par contre, je vais juste modifier un peu la chambre parce que là, j'en ai un petit peu marre de... J'ai mon chat qui fait des conneries. Je t'entends faire des bêtises, Oni. J'allais dire, ça s'entend. Il y en a qui vont me trouver horrible avec mon chat. Mais je suis désolée, un truc qui m'énerve, c'est que le chat, quand on met, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas nous, chez moi, on fait pas tout de suite la vaisselle quand on a mangé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le chat va lécher les assiettes, en fait, dans l'évier. Yeah, qu'est-ce qui se passe, yeah? Ah, Clara, merci pour ton abonnement, c'est super gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, leur jeune sushi. Enfin, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup, c'est très très gentil. Elle pourra payer les pâtes du mois. C'est ça, quoi. Bon, écoutez, hop. Hop. Oui, donc, du coup, pour ne pas qu'il ait les chaînes des assiettes, ce que je fais... il y en a qui me disent, oh, mais je dis c'est pas gentil machin, mais il me saoule vraiment quand il le fait. Je mets du savon de vaisselle dans mes trucs pour pas qu'il aille lécher dedans, en fait, parce que ça m'énerve quand il le fait, ça me rend folle quand il le fait. Enfin voilà, donc là ça me semble correct. Oui, il en a un petit truc comme ça ici, il va mettre ça ici. Voilà, hop, petit coin. Ouais, voilà, comme ça c'est pas mal. Hop, voilà. Je trouve que c'est mieux dans ce coin-là, les trucs du chat. Voilà, oh, là il y a un jouet qui traîne. On va le mettre là, ici. Bon, on va laisser ça là, comme ça. Et voilà, ça me semble plutôt correct. Donc je ne peux pas être relookée.
Maintenant, c'est peut-être juste le temps que ton sim s'apparaisse, hein. C'est juste ça, hein. Je voudrais que je dise, veut plus que Kilnem vienne chez elle. J'ai jamais dit ça. Ah oui, non, t'as mal compris, mais là, ma poulette. Donc. Hop, remplir. Hop. Voilà. Ah, mais elle va rester en dépression longtemps encore, là? 2 jours! Ah, mais non, dis, faut pas que tu sois en dépression comme ça! C'est quoi ça? C'était un ami, le vampire? Même pas! J'ai vu un cadavre. Qu'est-ce que tu me fais en dépression, là? Je te demande pas d'être comme ça? Je te demande pas de faire que ça? Oui, 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 ma petite sucrète. Caleb, oui. Ah, bah purée, en fait, j'ai plein de notifications YouTube, là, maintenant. Je crois qu'il faut que je te désactive ça sur... sur Google, parce que ça me saoule d'avoir les taloulous comme ça. Ou bien couper juste le son, je sais pas comment faire pour juste couper le son. Tu peux couper le son, c'est quand tu vas sur, tu sais, t'es Windows 10. Ouais. Quand tu cliques sur le truc de toutes les notifications là en bas à droite, c'est le sort de petite fenêtre bulle là, drôle de bulle là. Non. Non, mais c'est Google Chrome qui fait la notification. Ah ok, parce que chez moi je peux l'enlever en mettant ne pas déranger. Je fais ça toujours avant mes streams. Je mets le mode ne pas. Pas du tout comment. Bah ouais, mais ce cas c'est que bah c'est juste. Non, c'est Google Chrome en fait qui fait ça, mais je sais pas juste comment. En fait, j'aime bien juste couper le son de la notification en fait, c'est juste ça. Parce que ça me saoule d'avoir le tadadoudou. Attendez, parce qu'en fait, je vais le faire parce que ça me saoule sinon. Ce gars la rediff, vous avancerez le live. Hein. Parce que là, ça me rend dingue en fait. J'ai même dans ma notification de YouTube, mais là. Je veux juste que ça ferme sa bouche, en fait. Je comprends. Hop. Hop. Bon. Voilà. Bon, je reste... voilà, c'est bon, ça devrait plus être dérangeant maintenant. Donc, mais non, mais je veux pas que tu déprimes comme ça. Qu'est-ce que, enfin, ça, tu me saoules. Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Bloguer ou poser sentiment. Bah écoute, tu vas le faire. Je sais pas, ça peut peut-être mieux t'aider ou quoi. Aller trouver dans ta peau. Réseau... Non, c'est pas ça. Il y a aussi, t'as pas une baignoire chez toi dans cette maison-là? Non, j'en ai pas, mais j'avoue que j'ai de la place pour en avoir une. Parce que dans, il y a un des bains qui t'enlève tous les trucs négatifs, genre la dépression. Bon, on va essayer ça parce que là, les amis, là, c'est juste pas possible. Hein. Disons que moi, je faisais toujours ce bain parce que c'était, je trouvais ça abusé, c'est que t'enlèves tous les malus à chaque fois. Bah écoute, on va tester ça. Après, est-ce qu'ils ont nerfé ça dans une mise à jour? Je sais pas. Ah oui, tiens, vous pensez quoi de la fameuse mise à jour qu'ils vont mettre avec la vie de la première personne dans les Sims? Vous en pensez quoi? Je sais pas si t'as vu ça, passer ça, Kitsu. J'ai pas entendu. Je sais pas si tu as vu hier les Sims, ils ont montré qu'il y allait avoir une nouvelle mise à jour. Et dans cette mise à jour, tu pourras jouer la première personne en fait. Oh! Mais comme moi, dans les Sims 2. Les Sims, tu savais pas le faire de la Sims 2, t'avais pas ça de la Sims 2. Console, je pense. Ah, je sais pas. Ça me dit rien du tout. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve le truc sympa, mais je pense qu'il faut pas être malade. Enfin, qu'il faut pas avoir un petit estomac. Parce que ça avait l'air un petit peu hardcore. Hein. Bah, je pense que ce serait intéressant, mais qu'on ait une vision à la... GTA 5, là tu vois, avec on voit les bras, les jambes et tout. Mm-hmm. Super Wolf qui dit c'est bizarre, les Sims, première personne. Bah oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un peu bizarre aussi. Et hier soir, je sais pas si vous voyez qui c'est, Cramounette, c'est une youtubeuse streameuse que je suis sur les Sims 4 qui est. Enfin, elle m'a l'air. Enfin, je la connais pas vraiment personnellement, on a juste un petit peu discuté comme ça par message, mais sans plus. Mais elle m'a l'air d'être adorable et j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses streams. D'ailleurs, je vous la recommande. Et donc,
On blaguait hier dans son. Parce qu'elle live hier soir et on blaguait un petit peu en mode ouais, le premier truc qu'on va tester, c'est faire crac-crac avec en vue à la première personne. Enfin voilà, maintenant, faut bien vous dire que. Enfin, ok, crac-crac, mais vous verrez rien du tout. Hein. Enfin, c'est clair et net, c'est sûr, on verra rien du tout. Par contre, avec le mode Wicked Woohoo. Ça sera encore autrement, je pense. Mais j'en profite pour un petit peu décorer au passage. Hein. Même si on va pas rester encore dans cette maison, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Bientôt, nous allons déménager avec toute cette thune que nous avons. Niveau de la mage, attends surtout la modif du terrain et l'influenceur de style, surtout. Mais tester une fois à la vue la première personne, ça peut être drôle. Oui, c'est un peu ce que je me dis. On s'est vu sur sa stream, ouais. Oui, Alexia, c'est vrai, oui, je me souviens maintenant, Tilt. Coucou Mathilde. Jeudi, j'ai envie de tuer quelqu'un. Le plombier est un gros méchant qui traite les autres d'arnaqueurs et qui veut nous faire payer plus de 1000 euros. Les autres sont à 800. Je sais pas, moi, je m'y connais pas. Moi, il me faudra un plombier aussi, mais... Voilà. Courage. Je crois que tu testes le faire crac-crac, ça t'enlève la vue à ma personne au moment... Oui, je pense aussi qu'il n'aime. Oh, coucou Ganou. Il y a déjà quelqu'un qui a essayé la première personne, le crac-crac, et les Sims restent couchés dans le lit sans bouger. Ok, ben voilà. Mais ce qui serait intéressant, ce serait avec de la VR. Oui, c'est ce que Krim t'avait dit aussi hier. Ah, okay. Avec la VR, oui. Voir un petit peu... Faut voir ce que ça donne, oui. Hein, c'est ça, contrôler ton Sims comme les Sims 2 sur console, donc les contrôler directement, mais en vue première personne, ce serait excellent. Mm. Bah, déjà, ça donnerait un sentiment de gameplay plus important, quoi. Ouais, je pense aussi. Parce que juste regarder tes Sims faire leur vie, t'es en mode... Bah moi ça me dérange pas, moi ça me va, moi je... Non, mais je dis pas je que transfère assez bien, on va dire ça comme ça. Je dis pas que c'est nul, mais c'est dans l'idée qu'après un moment, ça devient une redondance, quoi. C'est comme, par exemple, le jeu SimCity, quoi. Après, quand t'as construit ta ville et qu'elle est un petit peu indépendante, bah t'es un peu en mode... Mais... La cuisine s'est cassée, notre ballon d'eau chaude, on n'a plus d'eau chaude depuis plusieurs jours. Oh, ouais, avec le temps qu'il fait en plus, c'est pas top. Hein. Ouais. Bon, notre petite sweetie là. Elle a un bug de texture sur ses genoux? Bah non. Ah non, c'est une impression, désolé. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle ou quoi? Bon, est-ce que ça va la détendre? Est-ce que ça va lui faire du bien? Ouais, regarde sur les trucs. Ah, j'avoue, ça baisse. Ah, c'est pas encore ça, hein. Ah, ils ont dû nerfer le truc, parce que moi... Qu'est-ce qu'on peut faire? Un bain à la mousse à la lavande. Allez, la lavande, ça calme. En tout cas, la curieuse, bon courage avec ton avec vos problèmes d'eau, du coup. Parce que c'est vrai que c'est pas top. Très grand courage, ouais. Bah, la dernière solution du bain avec un ballon d'eau chaude, bah, c'est de chauffer l'eau. Hein. Mm. Mais ça prend 3 ans pour faire un bain. Bon, là, ça fonctionne pas, donc ouais, on va aller pleurer à coup sous le truc. Ça fera peut-être du bien, je sais pas. Appelle le SS. Ouais, on va essayer de faire ça. On va pleurer parce que je peux pas la laisser comme ça. Ah, tu dois aller pisser. Vas-y. Donc, SOS Tristesse, qu'est-ce qu'on va faire? Appeler SOS Tristesse, voilà, on va faire ça après. Ah, tu le fais sur les chiottes. Ok. Elle le fait sur les chiottes. Mais tu es impossible, sweetie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi fais-tu ça? C'est ça, quoi. T'imagines le mec, t'es au chiottes, t'es truc. Oui, madame, vous n'êtes pas bien, machin, je comprends, je repuis, plop. Le pire, c'est qu'elle va aux toilettes, mais sans baisser son pantalon. Ah, mais ça, c'est les Sims, hein, ça. Oui, c'est ça. Bon, oh, j'ai la tête tellement parfaite. On va faire un petit câlin au chat. Qu'est-ce qu'il a, le chat? Je crois qu'il se sent pas bien. Confier ses problèmes, câlin réconfortant. Allez. Bah, tu vas pisser. Là, c'est ça, quoi. Oui, fais un câlin au chat. Ça fait toujours du bien, un petit câlin au chat. Bon, il y a déjà un truc en moi, mais là, elle est toujours pas bien pour 2 jours, quoi. Elle le considère comme un ami, le vampire qui est mort, en fait.
Bah non, même pas. Connaissance, il est pas mort. Enfin, ici, il est mort, mais c'est pas ton ami. Bon. Anyway, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut peut-être décorer la maison pour... Donc, on va enlever tous les... décorer le tympan pour la fête des récoltes, on va faire cette décoration là. On voit pas ? Elle va le faire quand même, elle va le faire comme ça. Ah oui, si, voilà, on va le voir. Parce que la fois passée, j'avais vu que... Enfin, j'avais tenté un truc, mais je m'étais foirée. Ah, au fait, Jody. Oui. Grâce à toi, je me suis fait un petit peu... Bon, pas grâce à toi, mais dans les... tout de suite, mais c'est... je me suis fait un petit peu plaisir. Oh. Je me suis fait acheter SimCity. Oh. Une petite édition. J'ai regardé ton... Tu l'avais mis sur YouTube, hein, ton let's play sur SimCity, hein, je me souviens plus. J'ai pas fait de let's play sur SimCity, j'avais juste fait un ou deux lives, c'était tout. Ouais, mais tu les avais mis en diffusion, hein. Non. Non, c'est pas toi, là. Bah, je me suis rappelé que t'avais fait ça, et ça m'a donné envie de regarder SimCity. Et je regardais chez Apierre. Et après, je me suis dit, tiens, je vais me l'acheter. J'ai un peu d'argent, je vais me l'acheter. Bah j'ai tout, j'ai la complète édition. C'est bon ça. Donc bah j'ai pris la complète édition, donc normalement il y a tout dedans. Voilà, c'est une arnaque. Normalement oui, il y a tout. Ouais c'est ça, il y a la complète édition, t'as tout, t'as même le truc des méchants et tout ça je crois. Oh j'avais pas vu toutes ces décos, il y en a plein en fait, oh non là là. Oh mon dieu. Les fondations, ça n'en a pas, donc décorer le tympan, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Attendez. Oh, les drôles de fanions, là, en cercle. Attends, ouais, j'essaie juste de faire un truc sympa. Les clôtures, on va mettre quoi sur les clôtures? Pourquoi ça s'affiche pas? J'avance, ça s'affiche pas. Ah si, voilà, regardez. Ah, excellent. Et donc, hop. Les corniches. On va mettre ça. Allez. Oh, regardez, c'est tout chou. C'est tout choupinou. Ben voilà, on a ce qu'il nous faut. Je vais vite m'occuper d'un parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai pas fait. Hop. Tout récolté. Voilà. Dans la vie... Ah, salut Vajushkaya. Comment vas-tu? La réco va bien, ça va. Moi, un peu moins, mais... Enfin, voilà, j'ai joué, j'ai expliqué en début de live. Dans le type de vie de moi, j'ai... Mais non, je fais souvent un petit RDL demain pour vous expliquer ça, donc sur le site internet, sur jdgames.com. Dans le type de vie, moi, j'ai pas mal aujourd'hui. Si tu veux une pièce centrale avec le système de chauffage, le compteur et tout, bah, il a décidé de repeindre le mur, donc il a tout coupé. Plus de wifi, plus d'accès, plus d'eau, vraiment. Oh, courage, Angel. Ah merde, elle se fait agresser par les abeilles. Oh, la pauvre. Ah, faire évoluer. Voilà, hop. Tout arrosé, voilà. Elle s'est fait agresser par quoi? Bah, des abeilles. Ok. Parce qu'elle a une ruche. Sale bête. Bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est... Oui, je sais, elle protège la ruche. Mais... Voilà.
Mais c'est vrai qu'en termes d'IA animale et tout ça, Maxis, ils ont sûrement super bien travaillé leur truc. Hein, oui, oui, ils ont bien fait ça. Je vois que les chats, ils se comportent vraiment comme des chats. Les chiens, bon, ils sont aussi stupides que des chiens. Ah, j'ai un chien, je peux le confirmer, hein, ils sont stupides. Hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. Bon. Yeah, bienvenue à Melvinald. Désolée si je dis mal ton pseudo, j'en suis désolée. Donc, on va se... Ah zut, il y a des trucs qui sont... Oh, bon, je vais nettoyer. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai rajouté des mods. J'ai rajouté des mods encore. J'ai fait... j'ai rajouté en fait des mods... Je pense que j'en parlerai prochainement, soit-ci, mais pas tout de suite. Parce que l'article est encore en cours d'écriture. Parce que je vous rappelle que bah, souvent maintenant, en fait, les trucs là que je faisais Sims Custom, je passe pas si les Sims que je fais, maintenant je les fais plus souvent sur mon blog en fait, voilà, sur jeugames.com, voilà, si vous ne savez pas, j'avais fait une petite sélection pour Halloween. Donc, faut que je vous montre. Vous voyez des trucs en plus. Et ben en fait, ça c'est un mod, et en fait je peux... Attendez, hop, je vais vous montrer. Faire un pas sur mesure et j'ai rajouté, j'ai des nouvelles recettes de cuisine. Donc j'ai du pudding au chocolat, salade de tomate, apple salade de pommes, Andromeda cake, Nebula donuts, pumpkin soup. Ça je crois que c'est un genre de petit gâteau au chocolat. Cornbread, ça c'est un genre de pain au maïs, earth cookie, alien cupcake, crumble aux pêches, raspberry, tarte à la framboise. Genre de pâté de crabe, enfin voilà. Blueberry muffin, blueberry pie, enfin voilà, plein de trucs. J'ai acheté des lasagnes aussi. Voilà, plein de petites recettes de cuisine que j'ai pu rajouter dans mon tandoori chicken. On va se faire ça. On va se faire ça. Une petite portion individuelle de poulet tandoori. Donc voilà, c'est des petits mods que j'ai rajoutés. Ça va, Kitsu? Donc voilà, ça c'est un mod que j'ai rajouté. Et alors, attendez, ce n'est pas tout. D'ailleurs, c'est qu'on pourra les ajouter aussi dans notre truc. Par contre, je ne sais pas si le mode a été mis à jour ou pas. Je dois bien vous avouer. Je ne sais pas où ils sont. Si je fais ça. Pitch, ça ne marche pas. Non. J'ai pris un mode, en fait, qui rajoute des légumes et des fruits cultivables. Mais je ne sais pas du tout où elles sont dans mon truc. Parce que non, fatalement, on ne peut pas les trouver dans la nature comme ça, qui pousse. Il faut qu'on achète au moins un arbre auparavant et qu'après, bah, on les mette... Enfin, un fruit, puis après qu'on les plante et tout. Donc voilà, j'ai pas l'impression. Je regarde un peu. Excuse-moi, je dis, je dois te laisser. Ok. Bah écoute, merci d'être passé, Kitsu. Des bisous. De rien. C'est pour te dire accompagner mon ami. Prends soin de toi. Des bisous. J'allais dire, il y a Indara qui miaule. Non, c'est le chat qui miaule. Diony, tu vas arrêter mon pépère, là. Tu arrêtes. Il miaule à la mort, comme ça on allait le tuer, là. Je vous jure. Je vais taper... J'ai de taper un peu Peach. Enfin, un peu pour essayer de retrouver... Ah oui, mais j'ai juste ça, Peach. Raspberry. Oh, les voilà, elles sont là. Donc, pumpkin. Hop, je vais mettre ça ici. Hop, ça c'est quoi, ça? Vigne. Fraisier. Hop, raspberry. Ça c'est un arbre, donc ça va aller dehors. Ah, Indra qui rentre du boulot, c'est pour ça que tu miaules, Léoni. Coucou chérie, je suis en live. Ça va aller où? Bah, écoutez, on a une petite ligne ici qui est libre. Orange. Et voilà, comme ça on aura un oranger. Et voilà. Donc, hop, planter, et planter. Mais je pense que j'avais des pêches aussi.
quasi sûre que j'avais des pêches aussi. Bon. Dans compétences, peut-être. Bah voilà, enfin maintenant, voilà, on les a trouvées du coup. Mais qu'est-ce que tu veux, le chat? Ah oui, mais elle fait son poulet tandoori, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais fait ça après. Ah mais elle, dès qu'elle cuisine, elle est heureuse, hein, Sweetie, l'air de rien. Oh, je me dis un peu la tronche qu'il aura, le poulet tandoori. Oh, ça fait trop envie, ce poulet, regardez-moi ça. Oh là là, je suis désolée pour les véganes qui nous regardent, pour les végétariens. Désolée pour vous. Oh, l'animation est bien faite. Enfin, non, c'est le truc du jeu, hein, mais... c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Même le chat, regardez, il s'enjaille, il a bien pris en mode « Maman, moi des poulets !» Ah oui, on voit un peu... Attendez, je mets la pause, juste parce que ça donne... Oh. Donc ceux qui veulent ces modes là aussi, je tiens à le préciser, ils sont sur mon Pinterest. Voilà, je les ai mis. Qui court, allez, tire vite, vite, vite. J'ai pas vu chez Zuko, j'avais pas fait gaffe. Vous pouvez les trouver sur mon Pinterest, hein, si vous désirez ne pas attendre l'article que je vais sortir et tout de suite les avoir. Ça se met comme des modes normaux et je pense pas qu'il y ait de script. Ah, j'ai l'impression qu'elle aime bien. C'est quoi? Excellent! Oh là là! Oh, c'est trop trop bien! Merci Kilden d'avoir mis le tableau! Oh, mais le chat, mais laisse-moi tranquille! Ah, bah, elle les kiffe, hein, c'est son poulet là, c'est trop bien! Bonjour David! Bon, allez, hop, un peu plus vite parce que j'aimerais bien que tu... Oh, elle est très inspirée, waouh. Planter, hop. Planter, comme ça on aura des orangés, enfin des oranges et... un truc de cacao, hop. Les raspberries. En vrai, mon pseudo, c'est Pixie59. Ben oui, mais si tu n'as des pseudos... Enfin, je peux pas mémoriser les deux... Enfin, si tout le monde a deux pseudos, je peux pas mémoriser ceux de tout le monde. Hein. Ça, je tiens quand même à le préciser. Mais non, le chat, tu m'ennuies! Ah, non, vas-y, va planter ça. Oui, t'es pas bien, je sais. Mais il faut que tu plantes ça d'abord. Voilà. Le chat, tu sais que tu m'ennuies. Voilà. Il est 1h du matin, là, la meuf, elle jardine, quoi. Bon, allez, au dodo, maintenant. Sur YouTube, d'accord. J'ai faim maintenant, surtout que j'adore la viande. J'avoue que moi aussi, je suis un petit peu carnivore sur les bords. Un tout petit peu. Enfin, moi, le poulet, c'est une grande histoire d'amour. J'adore le poulet. Allez, Zou, le chat! Eh bien, écoutez, je suis contente qu'on ait ces petites plantes en plus. Maintenant, je crois que j'ai des blueberries aussi. J'ai d'autres plantes aussi qui existent, mais je ne sais pas du tout... Mais elles doivent être assez parce que parce qu'en fait, ce cas, c'est que la bouffe que j'ai prise pour mettre les recettes en plus fonctionne avec les légumes, en fait, les légumes et les autres trucs que j'ai téléchargés. Oh, super! Donc, Fédéric... Ah oui, mince, vous voyez pas à cause du chat. Bon, c'est pas grave, je vous explique. Donc, la fête d'école dure de 6h à 2h du matin. Donc, dans les objectifs à faire, donc décorer la maison. Gnome de fête, offrez votre respect et des cadeaux aux gnomes amicaux dans l'espoir d'obtenir des récompenses. Faire un grand repas et inviter. Donc, prenez le temps de réfléchir et d'être... et être reconnaissant pour ce que vous avez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Participez, discuter des raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant avec d'autres Sims. Bah écoutez, on va se faire, hop, on va se prendre une petite douche et on va faire la fête des récoltes avec nos amis, en fait, tout simplement. Je pense que c'est le mieux.
sur YouTube, ok. Mais moi, ça sera David ici, voilà. Je te le dis déjà parce que moi, ce cas, c'est que je peux pas retenir tous les pseudos de tout le monde. Non, rien ne t'empêche, je vais le modifier sur Twitch. Hein. Les gnomes sont chiants à tout casser quand ils sont pas contents. Ouais, mais ils sont où les gnomes? Ils viennent pas d'eux-mêmes sur le terrain ou je sais plus quoi? Il faut en acheter, je sais plus. Enfin, au pire, je les achète, hein, moi je m'en fous. Hein, mais enfin, c'est pas le fric qui nous pose problème, hein, vu comme elle a gagné à la loterie. Elle est toujours en dépression, la Miss. Bon. Donc, faire un event. Donc. Tchouk tchouk tchouk. Vous savez quoi ce qu'on va faire? On va fermer ça encore autrement. Ah, oh, bien que ça va pas aller. Si je mets ça là comme ça. Attendez, j'ai envie de faire un truc. La porte ici ne me convient absolument pas. Les portes sont beaucoup trop larges en fait. Même si on va bientôt déménager de toute façon. Mais bon, voilà, quand même. Hop. Et hop. Ensuite, ça. Ici. La petite gamelle du chat. Là. Ça ici, le jouet ici. Et je pense qu'on va se prendre un truc pour faire la fête. Je cherche après. Objet du jour férié. Non, c'est pas ça que je veux. Parce que, oui, on... Ah, on a cette petite décoration là. On va la mettre sur la table ici, regardez. Elle est toute jolie en plus. Oh, des petites feuilles. Oh oui, regardez, pour décorer la table ici, faire un genre de milieu de table. Oh oui. Oh, ça me plaît grave. Bon, là, ça sera beaucoup trop grand. Si jamais là, plutôt. Je peux pas la mettre sur le bas. Voilà. Hop. Et voilà, on a un beau petit milieu de table de feuilles mortes. C'est assez joli, je trouve. Couronne de branches d'automne. Voilà. Oh, c'est trop trop bien. Des petits rênes. Je pense que pour le reste, on est bien. C'est bien comme ça. Ça me plaît comme ça. Donc, ah oui, donc, oui, non, ce que je voulais faire. Non, activité compétence, je dis, s'il te plaît. Et j'aimerais bien. Où est-ce qu'elle est cette table? Ah oui, non, c'est dans les trucs de. Dans les surfaces, en fait, je pense. J'en ai la belle table buffet là, vous voyez, on peut mettre des plats dessus. Je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Vous vous rappelez où elle est? Moi, je sais plus du tout où elle est. Problème d'argent, vu qu'il y a eu de la triche. J'ai... Oh, mais Kinem, t'es... Tu m'ennuies, Kinem. Je vais te time out. J'ai pas triché. C'est toujours soi qui est médisant, qui est jaloux. Les abonnés ont eu la preuve en vidéo que je n'ai pas triché. Et tu fais toujours la blague. Et une fois la blague, c'est bien, mais une fois... Enfin, plusieurs fois, c'est pas drôle. Les blagues, les meilleures sont les plus courtes, mon ami. Tchouk, 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 tchouk. Mais elle est où, cette table, à la con? Ce serait par ici? Ah ben voilà, c'est ça que je voulais. Et voilà, on va se prendre en brune comme ça pour... Non, on va mettre en blanc. Et voilà. Bah oui, elle a gagné au loto. Bah oui, mais c'est vrai en plus. Je te promets, Shizuko, tu regardes l'épisode... C'est dans l'épisode où Sweety va au cinéma avec Jake. Voilà. Vous avez la preuve, vous avez la petite notification et tout qui apparaît. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc... Nous allons créer un événement, hop, organiser un événement social. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle avait un truc qu'elle voulait faire un dîner ou je sais plus quoi. Hop. Elle a encore en dépression.
Ah non, mais sa douche. Bon, écoutez, voilà. On va refaire sa douche. Soirée dansante, dîner. Ah bah oui, je suppose qu'il propose ça. Oui, voilà. L'hôte, bah, ça sera moi. Nous allons inviter donc Jack, c'est sûr. Nos amis, leurs copains. Il est où le mec de Sweetie? De Queen, pardon. Je vois pas le mec de Queen. Il s'affiche pas dans ma liste d'amis. Ok. Ça craint. Tant pis. traiteur, ben je vais moi faire la cuisine. Hein. Et ensuite, ben hop, chez nous. Hop, voilà, on va pas se prendre la tête. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, un dîner. Donc, plus de choix. Cuisiner. Nous allons cuisiner un gros repas, je pense. Peut-être que j'aurais dû le faire avant. Ah, mais j'aurais peut-être dû le faire avant. Enfin, mince. Vous savez quoi? On va pas se prendre la tête, du coup. Tout servir. Hop. On va servir. Oh là là, mais elle est super pas bien, là. Hop, allumé. Hop, musique d'ambiance. Et je vais mettre une autre musique ici. Bon, je suis pas fan de la musique qui passe là. C'est celle-là, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là, ouais. Voilà, celle-là, c'est bien. Bon, hop, coucou tout le monde, coucou les gens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On a du ou, regardez, on a du ou. Qu'est-ce qu'elle a déprimé, qui m'a déprimé sur le ou? Hop. Appeler à table. Hop. Voilà. Yeah, yeah. Merci pour le follow. Bienvenue. Ben voilà, Pixie. Pixie du 59. Ben voilà, tu t'es renommée. Ben voilà. Comme ça, voilà. Je t'appellerai Pixie. Coucou Mickaël. Oh là là, ça m'ennuie que le copain de Queen soit pas là. Ah, mais ce chat qui m'ennuie tout le temps! Mais même ah, il est aussi chiant que Oni, quoi! Allez, assieds-toi, laisse les gens manger! Mais n'affiche pas ça, toi! Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que tu fais avec cette chemise rose immonde? Chat qui m'énerve là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, amical. On va chanter les chansons du jour férié. Ça marche, hein, la chanson du jour férié. Mais qu'est-ce qu'il a le chat à s'emballer là d'un coup là? Je ne veux pas te caresser! Je ne vois pas de gnomes, donc j'ai l'impression que les gnomes il faut qu'on les achète, donc je vais acheter les gnomes. Ah bah oui, voilà, il me les montre ici. Lequel va prendre? Ah, celui qui est tout nu, il est marrant, on va le mettre là. Et oh, le pinou. il est dégueulasse. Non, on va juste en garder un. On va juste garder celui qui est tout nu, ça sera plus drôle. Calmer le gnome, donner du cake aux fruits. Est-ce que le gnome va aimer le cake aux fruits? Ça le remercie, les gnomes. Nickel Chrome, tu vas bien. Ça va. Est-ce que le gnome va être content de cette offrande? Ah mais le chat là qui revient encore à la charge! Oh, il a pas l'air content, le gnome. Implorez le pardon. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh.
Alors, on se fait foudroyer. Sa mère, comme j'ai eu trop peur! Purée! Je suis choquée! Oh my gosh, je suis trop choquée! Mon dieu. Ah, mais elle aurait pu mourir, non? Oh, sûrement. Je sais pas. Oh mon dieu, quoi, j'ai eu trop peur! Oh là là. Bon, par contre, j'ai pas l'impression que ça ait marché le truc de repas parce que, ben voilà, bizarrement, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je sais pas. Ah, mais j'ai eu trop peur! Mais le jeu! Mais fais pas ça aux femmes qui sont enceintes, hein! Dit qu'on ne touche plus au gnome. Mais non, non, mais Mickaël, là, j'ai plus envie de toucher au gnome, là, je t'avoue, là. Là, le gnome, il va... Attends, écoute, tu m'as... Non, demain, je te revends, mec, parce que là... Oh, mais j'ai trop flippé. J'ai trop flippé, mais un truc de malade. Oh, Kazé qui sort mes poubelles, merci, Kazé. Merci. Vas-y, passe. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plein de gnomes à la maison! Mais moi, j'y touche plus, hein, moi, ces machins-là! Hein. Moi, tu vas aller chez ta mère, elle fait des gaufres, hein! Moi, je te le dis! Mais tu peux les calmer! Oui, c'est ça! Parce que, voilà, ça va se foudroyer encore! Ouais, j'ai pas envie qu'elle meure, hein, moi! Est-ce que je peux peut-être faire un truc genre... Tous les vendre. Déjà ça. Pas ça. J'aime bien parler du truc là, du truc du jour férié. Être reconnaissant, voilà. Hop. Plus de choix, hop. Être reconnaissant, voilà. Voilà, hop. Annoncer le grand repas. On peut mettre ça en attendant. Je vais dégager toutes les assiettes et tout, voilà, comme ça, ils pourront se servir. Donc on était reconnaissants, on a fait le... Là on fait le grand repas, donc c'est nickel. Ils sont tous avec leur bonnet là. Qu'est-ce qu'elle fait, Kazé? Ah, mais ils m'ont refoutu des crasses là, ces cons de gnomes! Ah, en tout cas, ah oui, c'est excellent. Alors là, les gars, je pense qu'on aura fait une fête des récoltes au poil. Hein. Il y a eu des étincelles pendant cette soirée. Je dirais même plus que des étincelles, hein, perso. Et que diriez-vous pour continuer le live qu'on, après ceci, qu'on choisisse la maison pour suivre la prochaine maison? Ça pourrait être bien. Et alors on la décorera dans un prochain live. On la décorera ensemble, ça vous dit? Moi oui, je veux. Oh super, donc je sais pas, là vous voyez pas parce qu'il y a déjà pas dessus, mais en fait ici la fête des récoltes j'ai tout complété. Donc elle a chanté la chanson, elle a été reconnaissante, elle a fait le grand repas, elle a fait le truc avec les gnomes, le chat me casse encore les noisettes. Ben voilà. Par contre, il manque une chose. Hop. Et moi, je propose qu'on fasse un truc parce que ça fait quelques jours, enfin ça fait quand même quelques temps qu'ils sont...
qui sortent ensemble, est-ce qu'on les ferait pas vivre ensemble, notre petit Jake et notre petite Sweetie? Qu'en dites-vous? Ça vous dit? Ah bah, yeah, quelqu'un va te s'abonner, donc je suppose, voilà. David qui va te s'abonner, merci. Merci pour le follow, du coup. On se fait ça? Oui. Oui. Hop, on va se faire ça. En plus, c'est un jour un peu spécial, devant les amis, ça fait genre, regardez comment on s'engage. Oui. En fait, ils vont vivre ensemble, mais ils sont pas petits amis, en fait. Ah oui, c'est vrai. Si. C'est possible que non. Dans tes objectifs. Oui, c'est vrai, je l'ai pas vu. Là, c'est pas grave. C'est tout comme. On le fera juste après. Bonjour, je vais essayer de me connecter en tant que Pixie. Mais bon, c'est pas grave. Mais David, tu sais, y a rien de grave hein, tant que t'arrives à pas aller dans le chat, enfin. Donc, je sais pas pourquoi tu m'as su avec les deux comptes, un peu useless perso, je trouve. Mais bon. Ça pose les statistiques. Mais c'est ça quoi. Ça fait genre j'ai plein de gens qui habitent, enfin qui me regardent, enfin qui sont. Enfin voilà, on se comprend. Hop, voilà. Voilà. Tu peux dégager le chat, non mais c'est un peu con. J'avoue, mais non, je vais pas dégager le chat. Même s'il est un peu casse-bonbon. T'as quoi comme pack? Je les ai tous. Tous. Bouh. Bah toi aussi qu'il n'aime. Tu fais bouh, mais toi aussi. Bah oui, mais... Donc oui, David, c'est vrai que c'est pas très utile de me suivre avec deux comptes, en fait, parce que ce qu'il y a, c'est que ça fait genre, en fait, qu'il y a plein de gens qui s'abonnent, mais peu de gens qui regardent, en fait. Parce que tu vois ce que je veux dire, si tout le monde faisait ça... Imagine, il y a 500 personnes qui créent chacun deux comptes, ça fait « Oh, j'ai 1000 personnes qui me suivent, en fait !» Mais en fait, j'ai que 500 cas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu triste. Bon, bien voilà, notre petit truc habite ensemble. Bon, par contre, là, attendez, les gnomes, là, ils me saoulent, hein. Donc les gnomes, vous allez tous vous barrer. Déjà, parce que là, vous me saoulez. Ça fout de voyer, il va mourir, ça va être mort. Voilà, hop, ça dégage, on les revend, parce que moi, voilà. Allez, hop, moi, je veux pas de ça chez moi. Pas de ces crasses-là chez moi. S'ils réapparaissent, ça me fait rire. Hop, Sweetie va nettoyer. Ah, mince, ça va aller pour Sweetie, mais ça n'a pas validé pour Jake, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas être reconnaissante avec Sweetie. Non, ça n'a pas validé pour lui. T'as masse de trucs à nettoyer. Prendre une portion. Hop, nettoyer, voilà. T'aurais pu mettre une fontaine de chocolat sur la table. Oui, c'est vrai, oui. Hop, on va regarder tous les plats. Même s'ils ont rien bouffé des plats, mais bon. Si, ils ont pris un petit peu, il y avait un petit peu de tout. Je me dis qu'ils se téléportent partout, là. Hop. Est-ce que lui, ça a marché pour lui? Le grand repas, au moins ça. Voilà, hop. Jeter. Ah non, pas jeter. Sweetie, fais-le pendant qu'il mange. Voilà. Ah, il l'a fait, c'est bon. Donc, est-ce que je peux maintenant être reconnaissant? Hop, comme ça avec Sweetie. Chanter la chanson du jour férié. Pour que lui aussi aille tous les petits trucs en mode « Ah, c'était trop bien !» Voilà, parce que j'ai au-dessus, ça n'a pas sélectionné. Je sais pas si vous voyez à travers un petit peu à travers le chat. Au pire, qu'elle gagne de l'argent avec les... Bon, ok. Pixie Gaming. Mais si tu fais 10 000 comptes et que tu me suis avec tous les comptes, David, ça va un peu me faire chier. Hein. Je te le dis déjà. Si c'est encore toi... Juste un compte pour me suivre, c'est gentil quand même. Parce que sinon, ça sert un peu à rien. Ok, des bisous, Mickaël. C'est pas moi. Ok, bah écoute, Pixie Gaming, bienvenue à toi. Alors, désolé, parce que David, tout à l'heure, avait un compte avec Pixie aussi dedans, donc voilà. Coucou, Tchelou. Bienvenue à toi, Pixie Gaming. Donc, ah oui, mais il avait aussi le truc des...
Allez, des repas et tout, là, de... Enfin, vous voyez. Pas des repas, mais on se comprend. Je cherche un peu après mes mots. Oui, voilà. Amour. Comment est-ce que je peux faire genre... C'est ma petite amie. Peut-être je, plus d'amour. Je le vois pas. On va faire crac-crac, écoutez, hop. Ça va directement monter, ça sera bon. Ah là, bah ça va remonter, là. Il y a pas que ça qui va remonter, laissez-moi vous le dire. Invasion de Pixie, j'avoue, chez Zuko. Surtout qu'ils ont jamais fait crac-crac, en plus. Bon, j'ai quitté demain, j'ai cours et mon frère va jouer. Bye bye. Ok, bisous David, merci d'être passé. Sortez des bougies, crée une ambiance romantique. Sweetie et Jake font crac-crac pour la première fois. Bah, ça monte le social, ça monte le divertissement. En fait, le crac-crac, c'est tout bénef. Hein. Et l'autre, elle rentre encore en dépression, là, pour un vampire qu'elle connaît même pas, mais détends ton string, hein, fille. Pour quelle raison? As-tu regardé la vidéo d'Amityville? Le speed build. Oui, mais elle était déjà triste tout à l'heure, après elle était plus, genre, elle est triste. Oui, voilà. Ah, maman, faut se calmer, c'est triste. Mais c'est ça, quoi. Tu le connais pas, en plus, c'est quoi mais... le problème? Ouais, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu con. Bon, donc, hop. Oui, donc, oui, mais il faut que... J'aimerais bien qu'ils discutent en mode et qu'ils soient un peu... Oui, t'es mon petit copain, qu'est-ce qu'on est, en fait? Amour... Parce que tu vis chez moi, mais voilà. Bon. C'est ça qu'elle habite chez elle, mais... Voilà. C'est officiel maintenant, les amis! Jake et Sweetie sont ensemble! Ouais! Oh, mais il m'a niqué ma télé, le gnome! La meuf, il réfléchit même pas à la remplacer, mais comme ça, en mode... Ouais, j'ai un million de Sinflood! C'est quoi de ça? Amour. Embrasser. Il reste des trucs à nettoyer sur le bar. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Hop. Enlever la nourriture gâtée. Nettoyer, voilà. Ah, mais là, j'ai... Ah non, là, c'est ma petite tasse normale. Ah oui, alors, le truc, là, ici, là, nettoyer. Vider, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais checker un petit peu... Apparemment, il y a une soirée chevalier au bar. Ça te dit d'y aller? Non, Lola, je n'ai pas très envie d'y aller, désolée. Moi, je suis sous antibiotiques depuis la semaine dernière. Et là, je reprends demain. Oh, courage, Zuko. Courage, courage. Moi, ça va. Touchons du bois, mis à part les petits... des petits mini-soucis avec la grossesse. Mais voilà. Tout va bien, sinon. C'est pas des gros problèmes. Okay, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? Et hop. Donc, on va voir pour déménager. Déménager le foyer. Allez. T'as parlé d'une maison du jeu ou de la galerie? Du jeu, je pense, de base. Alors, c'est pas une belle qu'on pourrait avoir, où j'ai pas la vie d'aller. Faudrait une maison qui aurait un bon jardin, quand même. Parce que j'aimerais quand même bien qu'elle continue de cultiver ses fruits, ses légumes. Alors il fallait attendre une semaine et il y aurait eu la nouvelle ville. Mais ça je vais jouer plus vite avec dans tellement Sims ça. D'ailleurs les amis, je tiens à vous dire, je ferai sûrement un live pas demain, mais après-demain, donc ceux qui regardent le live, bah, ceux qui regardent la radio, ça ne compte pas parce que ça sera déjà passé. Mais ceux qui regardent là maintenant, voilà, ça compte. Oh celle-ci par exemple, le parc du rivage, elle est pas mal cette maison là. Elle est assez grande. Ou alors la chenille, elle est pas mal aussi. En fait, j'aime bien prendre des maisons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les vidéos, en fait.
celle-là est jolie, mais non. Non, mais la première année, je suis avec des magasins. Ah oui, Denver, qu'est-ce qu'on a de bien? Ah ouais, non, là, il y a déjà quelqu'un. Que tu les dégages. J'avoue. Bridlington Bay, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi tu ne vois pas une maison faite par les abonnés, par des abonnés? Oui, c'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise. Chez Zuko, je t'avoue que l'idée n'est pas mauvaise. Mais là, je t'avoue que j'ai juste envie de prendre une autre maison que j'ai pas l'habitude de... Enfin, maison du jeu, en fait, voilà. J'ai envie de le faire maintenant, voilà. Une autre fois, peut-être. Oui, il y a des Sims, les amis, il y en aura encore plein sur la chaîne, hein, vous inquiétez pas. J'aime assez bien cette maison-ci, en fait. Avec 4 chambres. 3 salles de bain. Au pire, si elle nous plaît pas, on déménagera. Elle coûte que 107 000. Avec 1 million, franchement, celui-ci est dans sa piscine de dollars. Donc, franchement, comme tu veux, je propose, c'est tout. Mais ouais, non, voilà. Non, voilà, j'ai envie de la faire déménager maintenant. Mais avec la chaîne, elle est pas mal non plus. Hein. Préférez laquelle? En plus, 50 sur 50, elle est pas mal, hein, celle-là. Elle est bien grande. Hein. Enfin, le terrain est bien, bien grand. Il est bien grand, mais après, faut voir si la maison prend pas toute la place au final. C'est ça. Non, non, parce que quand tu regardes avec le bord, là, comme ça, avec le bord vert, non, ça prend pas toute la place. Chaînée. Ah, vous préférez la chaînée? Il y a Jonathan, le chaton 65. Coucou chaton! Qui disent qu'ils veulent la chaînée. Les autres, ils en pensent quoi? Toi, tu dis quoi qu'il n'aime? Chaînée? Moi, je préfère l'autre. Tu préfères l'autre, Parc du Rivage? Ouais. Il y en a 3 là qui veulent chaînée là. Les autres, dites ceux qui veulent le Parc du Rivage. Elle est moche, la verte. Mais oui, mais ça, c'est la salle du coup, ça se repeint, ça, c'est pas un problème. Hein. L'autre, j'aime pas le vert non plus, je vais la repeindre, je vais pas la laisser verte. Hein. Dites-vous ça. Moi, je vais la repeindre en blanc, hein. Ça, c'est clair et net. En blanc, et j'irai peut-être bien la petite tour ici avec un truc ici. Parc du Rivage, oui, mais même. Ouais. Parce que celle-là, je trouve qu'elle, en fait, elle me plaît bien. Je la trouve vraiment très belle, mais elle fait très bourgeoise en fait pour Sweety. Ça me fait bien d'avoir notre Sweety là-dedans en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait très. Bonjour, je suis Sweety Dreams. J'habite dans un manoir. Ça fait un peu ça en fait. L'autre fait un peu plus familial, je trouve. Enfin, ça, je vois la majorité. Donc, parc du rivage. Donc, il y en a 3. 3 parcs du rivage, 4 chaînés. Parc du rivage semble avoir plus de cachets. Mais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai des idées, en fait, pour le parc du rivage. J'ai des idées. Désolée. Ops. Non meublé, on s'en fout. On garde les meubles. On garde nos meubles. Et voilà, hop. On va un peu la découvrir ensemble. Ouais. Attends, je vous expliquerai un petit peu. J'ai un petit peu la regarder et on va voir en live, enfin là maintenant, ce qu'on pourra faire dedans. Et je pense qu'on va la décorer au prochain live. Je pense. Allez, tu peux le faire, le jeu. Vas-y, transfère-moi ce petit truc-là. Oh, on pourrait même faire une chambre d'amis. Et une chambre d'enfant. Donc. Un bureau. Et un bureau, c'est vrai. Donc. Ah, oh, ce sont les voisins avec les gothiques, j'avais oublié ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas masse place niveau jardin. Enfin, si tu veux faire une serre, il n'y a pas masse place. Si, si, la serre, on va la mettre là. À la place de l'arbre ici. L'arbre, on va le reculer un peu, on va mettre une serre là. Donc, que je regarde un petit peu ce qu'on peut y faire. Donc déjà, moi ici, ce que je vais faire... Oh oui, j'ai des idées. J'ai des idées. Là, les amis, j'ai des idées. On va se faire un truc
mais trop trop bien. Là, j'ai plein d'idées. Là, il y aura un petit barbecue. Tranquillou, avec un petit jacuzzi, je pense. Là, ici, on aura la serre avec les légumes, les arbres fruitiers ici le long. Ou plutôt ici. Ah oh, oui, non, plutôt ici, les arbres fruitiers, ça pourrait être bien. Des petits parterres de fleurs. Donc, toute la maison sera en bois blanc. Ça, je vais changer. Les fenêtres aussi, je vais les changer. En plus, il y a un parc pour le... Sweetie et Jack, ils ont un bébé. Donc, voilà, tout en bois blanc. Ici, il y a juste la genre de tour qu'on a ici, que je vais modifier pour mettre en... Je vais vous montrer, je vais le faire maintenant. Je vais vous mettre l'eau à la bouche, allez. Parce que j'ai des idées, en fait, là, maintenant, et si je les fais pas, je risque de les oublier. Donc... Hop, en bois blanc comme ça, ça sera déjà plus de gueule. Ok. Par contre, ouais, j'aime pas trop le bord comme ça, le rebord que ça a fait. Voilà. Ça fait un rebord noir, à certains endroits, du coup, il y a des poteaux verts. Donc bah peut-être... ouais, mais je vais modifier les poteaux verts, je vais pas les laisser tels quels. Hop, voilà. Hop, ici. Et donc ici, au niveau du soubassement, on va partir sur un soubassement... C'est vrai, alors j'ai une autre gueule. On te dit que tu as oublié un toit, mais je ne sais pas lequel. Ah oui, effectivement, je le vois, ouais. Merci pour de l'avoir vu et de me l'avoir dit. Donc ici, ça c'est fait. Donc ici, vous allez voir ce qu'on va se faire. On va se faire un truc trop trop bien. Et là... Ici, regardez-moi ça. Hop. Et je trouve, regardez, que ça ajoute du cachet, en fait, la petite tour. Moi, là, je kiffe grave. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'aime vraiment bien. Hop, j'en modifie. Elle est de notre cogne, hein, j'avoue, plus un A, tu vois. Quand j'ai vu la tour de loin, je me dis, toi, t'auras une autre cogne que le reste. On va se mettre le toit en plus foncé, je pense. Voilà, pour bien contraster. Et alors, le petit rebord, on va se faire un petit rebord. Un peu luxe, mais noir. C'est trop. C'est trop gros. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. C'est mieux hein, quand même. Hein. Ça j'ai une autre cogne, hein, vous voyez. Avec un petit peu de... Une petite pincée de dreams, si je puis dire. Si je puis dire. Ici, on va se la faire un petit peu luxe aussi. Regardez-moi ça, vous allez voir. Et autre chose, hein? Vous avez vu quand on modifie un petit peu les matériaux et tout ça, comme ça change? Et toi, voilà, hop. Hop, là ici en dessous. Et pas pim cette baraque ou quoi? T'en penses quoi qu'il n'aime? C'est joli, c'est joli. Par contre, faut peut-être changer le rebord vert. Ouais, t'inquiète. Je fais la maison en blanc avec la tour en pierre qu'avant. Ouais, même ouais, complètement moi aussi.
Son, ça c'était sûr, les amis, qu'on aurait des travaux. Hein. Ça, c'était clair et net. Non, ça par contre, ça s'aime pas, ça. On va juste mettre un truc... un petit truc comme ça, normal. Hop. Oh, et une ambulance qui passe près de chez moi. Tout va bien. hop, ça je change. On va se mettre un petit portique comme ça. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas tout mignon. Voilà, on a sorti... On a sorti les petits trucs comme ça. Les petits piliers. Hop, on me les modifie. Comme ça, on a... À moi de les mettre en noir. Oh non, non, en blanc, ils sont mieux. En blanc, ils sont mieux. Hop. Indara, chérie. Noir, ça aurait pu être joli, le toit. Ouais, j'avoue que ça aurait fait un beau rappel. Indara, chérie, si tu veux, je peux te filer mon bullet si tu veux des idées. Hop. Et quoi? Mais si, t'as le truc là modifié, trou de balle. Il veut pas me le modifier! Le jeu ne capte pas qu'il y a Eh. Le jeu ne capte pas qu'il y a un truc là. Il veut pas. Essaye de modifier déjà derrière la maison, des fois il y a des trucs qui tiennent ensemble alors qu'ils sont totalement séparés, c'est un peu bizarre. Dans la maison? Ah ouais, ah ouais, pas con, tiens. Ah bah oui, c'était ça. Je te remercie, Kinem. De rien. Bah écoute, tu sais qu'on va tester avec les piliers noirs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. C'est vrai que ça fait un beau petit rappel. Mais en fait, ce qui me choque, c'est avec la rambarde en fait. Ça te choque pas, toi, avec la rambarde? J'avoue que ça fait un peu bizarre. Oui, hein. On est bien d'accord. Écoute, fallait tester pour voir. Hein. De toute façon, on va mettre de la déco. Faut bien te dire qu'il y aura de la déco après, des petits bancs, des petits machins, et que ça va fortement jouer. Hein. De toute façon, voilà. On peut même faire le rappel en changeant bêtement la couleur des fenêtres. Que ouais non c'est pas très beau. Non hop. Hey. Mais non je ne galère absolument pas. Voilà. Ah oh, là j'ai une autre cogne à la maison, là je l'aime bien. Là, je l'aime vraiment bien. Vous avez vu ce lifting ou quoi qu'on vient de lui faire? C'est un fameux lifting, hein. Désolé pour ceux, c'est un petit peu redondant là pour le coup là, mais faut bien le faire. Pour modifier aussi les fenêtres.
On peut peut-être changer du coup le sol de la terrasse, un truc. Ouais, ouais, ça, je pense que je vais contraster avec un truc au niveau du sol de la terrasse, ça c'est sûr. Mettre un bois gris ou quoi, tu vois. Mm-hmm. Et le plafond, à la limite, avec une pierre un peu plus jolie, peut-être. Le plafond. Oui, dehors, il y a un plafond au-dessus de la terrasse. Ah oui, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, hop, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc, ici? Peut-être laisser quand même le truc en bois, mais peut-être mettre un donc en bois gris, alors. Ah, je peux pas le faire plus foncé. C'est pas laid. C'est de la terre. C'est de la terre. Ah oui, effectivement. Merci de me l'avoir dit, Kildem, j'avais pas remarqué. Dalle de béton. Ouais, je sais pas si c'est mieux. Je pense pas que c'était ça qu'il y avait avant. À la limite, il y a certains carrelages, pierres qui peuvent être jolis aussi, avec une sorte de motif ouais. Joli. Attends, je fais vite ça. Ah zut, je vois qu'il y a une petite fenêtre ici. Je vais la dégager. On va mettre une autre à la place. Qu'est-ce qu'on va se mettre ici? Donc ça donne sur quoi? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc déjà. Ici, on va se faire, les amis, on va se couper un petit peu, un petit vestibule, on va se le couper un petit peu. Ici, on va se faire un petit salon ou petit bureau. Là, il y aura un plus grand salon. Là, je verrais bien une petite salle à manger. Là, je verrais bien une pièce de rangement pour ranger de la nourriture, des choses comme ça. Avec le jardin, et là, ici, donc, petite salle de bain. Petite salle de bain. Ça, ça pourra vraiment être bien. Et la cuisine, c'était où, t'as dit? À l'arrière, dans la tour. Alors, le fait qu'il y ait des coins, enfin, en diagonale, maintenant, etc., des meubles, tu vas galérer, non? On peut bazarder le truc là pour agrandir la pièce. On peut... Regardez, hop. Et comme ça, on agrandit la pièce. Et là, salle à manger. Là, passe-plat. Il y aura un petit passe-plat ici. À l'étage. Comment est-ce qu'on va organiser l'étage? Donc là, il y a le truc. Là... la petite salle de bain. Ça, on aura deux salles de bain. Chambre de Sweetie et de Jake ici. Petit bureau. Chambre d'enfant, si jamais. Et là, une salle de muscu pour Jake. Voilà, je sais pas. Voilà. Ben, en tout cas, là, vous avez déjà mes idées un petit peu. Ah sinon c'était le même béton en fait, j'ai rien dit, c'était le même béton que j'ai mis. Ah, j'ai le haricot qui se réveille. Ah c'est pas mal tiens, comme ça avec le truc plus foncé comme ça, c'est joli. Ah oui ça me plaît bien. C'est nickel chrome. Oups, c'est pas mal comme ça. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup la maison comme ça. Hop.
Par contre, je vois qu'il y a un truc. Attendez. On va me dire, joli ! T'as oublié un truc ? Et hop, ici, voilà. Voilà. Oui, la fenêtre. La petite fenêtre qu'on avait dit qu'on ajouterait. Donc, une petite fenêtre ici. Il n'y a pas de fenêtre au niveau ici de la salle de bain, là. Donc, on va mettre une petite ici, comme ça, pour un petit peu éclairer. Et tiens, qu'est-ce que tu donnes, là ? Oui, non, 3 de large, c'est pas terrible. C'est pas mal, tiens. Ouais, bah écoutez les amis, je pense qu'on va laisser la maison comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette maison, elle déchire sa race. Au départ, personne n'était chaud. Enfin, il y avait avec moi et quelques abonnés qui étaient chauds dans le chat. Mais là, maintenant, là, je crois que... Là, on a trouvé ce qu'il nous faut. Hein. Là, franchement, c'est... Même les gothiques, là, ils vont être jaloux de nous. Hein, parce que là, la maison de luxe qu'on a... Et puis, je trouve qu'elle fait très familiale, parce que je trouvais que la chaînée, elle faisait très... pète-pète, vous voyez ce que je veux dire? Très, je me la pète. Tandis que celle-là, je trouve qu'elle reste quand même très familiale, en fait. Certes, c'est une maison de... Enfin, on voit que les gens qui sont dedans, c'est des gens qui ont des sous, parce qu'elle est quand même assez grosse, de par la taille, enfin, juste de par la taille qui est là. Mais, globalement, je trouve qu'elle fait assez... Enfin, pas simple, mais voilà, non, je trouve qu'elle est familiale, elle est jolie, j'aime bien. Et je pense qu'à mon avis, donc, nous la décorons dans un prochain live. Donc bah moi je pense que je vais vous laisser ici, faire un petit calendrier qui est entré du boulot, qui a vite pris sa douche et j'ai même pas profité des bisous à mon mari, donc voilà, donc je vais vous laisser. Donc bah en tout cas merci beaucoup déjà à Nathan, à Ganou et à Kiné d'avoir modéré le chat, merci beaucoup à vous les gars, c'est très très gentil. Merci pour le... je crois que c'était Clara qu'elle s'appelait, la petite demoiselle qui a sub. Ouais, Laser Clara, merci beaucoup pour ton sub, Clara, c'est très 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 gentil. Et bienvenue à Choco, à Melvin et à Pixie du 59 et à Pixie Gaming qui ont follow la chaîne. Donc voilà. Pour ceux qui regardent la rediff, je vous rappelle, tous les lives que ça se passe sur Twitch, vous avez le lien en description de vidéo. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à venir vous éclater avec nous, papoter. Voilà, vous voyez l'ambiance dans le chat est sympathique. Merci beaucoup Kinem pour le petit lien sur YouTube, merci beaucoup. Enfin, n'hésitez pas à regarder une petite pub sur YouTube, voilà, complètement pour soutenir un petit peu la chaîne. Donc ben voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et comme je dis chaque fois en fin de live et fin de vidéo, qu'est-ce que je dis Kinem? Vas-y, dis-le. Je te laisse le mot de la fin. J'ai envie de dire une merde, mais je sais plus, je sais pas quoi dire. Bon, restez vous-même, ciao ciao. Bisous.